contre ce monstre et meurs. Mais maman, tu m'envoies où? Pour une table, un beau mec. Viens avec moi, pas de questions, super vitesse ou là. Regardons ces danser, une école cliché, portail inconnu, wouhou. Je vais être malade, fuir mon ex chelou, abandonner Marco. Plus d'un fil du coup, on dit ouh. Parfois seul dans le vide, ah non, y'a Marco aussi. Je fais apparaître tout le monde, puis zoom utile pour mon été. Cette note est beaucoup trop haute. Salut mes papillons! Bon, vous avez peut-être remarqué, grâce au titre et à ma reprise de qualité, pardon pour le jeu de mots, cette vidéo sera consacrée au dessin animé Star vs. the Forces of Evil, ou Star contre les forces du mal en français. Petite remise en contexte, au cas où il y ait des abonnés qui ne connaissent pas. Star, c'est une série animée de 4 saisons et 77 épisodes créée par Daron Nefcy. Galère pour dire le nom, et dont le pilote est sorti en janvier 2015 sur Disney Channel. Cette série raconte donc les aventures de Star Butterfly, princesse du royaume de Muni, qui se retrouve sur la Terre dans une autre dimension afin de contrôler ses pouvoirs et pour plus ou moins la punir d'avoir un peu tout dévasté chez elle, disons. Elle va donc vivre chez la famille Diaz et rencontrer le fils, Marco, un jeune homme de son âge, love interest, toi-même tu sais. Enfin, love interest, je m'avance un peu vite là. Maintenant que j'ai fait une présentation correcte de la série, je vais décliner la vidéo en deux parties. La première étant comment j'ai commencé à regarder, et la deuxième pourquoi j'ai aimé. J'avais donc fini la troisième saison de Miraculous, je m'ennuyais et je cherchais à découvrir certains cartoons dont tout le monde parlait. J'entendais souvent Steven Universe ou Gravity Falls par exemple, mais je n'osais pas commencer. Deux amis m'ont alors parlé de Star, et au début j'étais réticente. Je me souvenais que petite, je n'aimais pas les séries avec ce genre de dessin et de mentalité. Mais bon, à force d'insister, j'ai bien voulu voir le premier épisode. Et wow, j'ai pas été déçue. J'ai tout de suite bien accroché, et c'est comme ça qu'on a vu les 4 saisons en plus ou moins un mois. J'avais quand même cours à côté, et les épisodes étaient pas si faciles à trouver. Ce qui est rapide, 4 saisons en un mois. Parce que normalement le cycle c'est 12 mois. Vous voyez, avec printemps, été, ok, j'arrête avec cet humour déplacé. Donc, pourquoi j'ai apprécié? Eh bien tout d'abord les dessins. Très dynamiques et relativement simples, autant petite j'aimais pas trop, autant maintenant j'adore. J'ai aussi trouvé que l'humour n'était pas trop lourd, et qu'en plus le côté enfantin, un peu multicolore, s'estompait au fil des saisons, ou du moins diminué. J'ai bien aimé le fait que la série alterne des moments très sérieux, comme l'épisode où Star voit sa baguette se briser, ou celui dans lequel elle avoue son crush pour Marco, puis rentre à Muni sans rien dire, avec des moments beaucoup plus légers, rehaussés par la personnalité attachante de Star. J'ai apprécié aussi l'intrigue amoureuse riche, qui n'était pas non plus trop présente. Je veux dire qu'elle n'était pas complètement le centre de l'histoire tout le long. On a vu des méchants badass, une trame bien travaillée, et des questionnements de Star sur son statut de princesse, ainsi que des choix parfois poignants de sa part. Mais en tout cas, le fait que Marco commence par être intéressé par Jackie, et Star par Oscar, puis les rebondissements qui les amènent à passer par Kelly et Tom avant de finalement se retrouver tous les deux, c'est bien construit. Des moments que j'ai particulièrement aimé concernant le ship. Le bal de la lune rouge, qui comme on l'apprendra plus tard, commence déjà à lier les deux jeunes gens. Le jeu action vérité un peu extrême qui nous indique pour la première fois les sentiments naissants de Star envers Marco. Pour l'anecdote, quand j'ai vu cet épisode, au début j'ai cru que c'était Marco qui se mentait à lui-même, pas Star. Et comme quoi, on peut être surpris. La fameuse chanson de Princess Star qui révèle au grand public ses sentiments. C'était cringe au possible, comme on aime. Tenez, un petit extrait. La guettant dans la nuit, les forces du mal craignent par-dessus tout que cette étoile-là s'enflamme. La magie est ce en quoi elle est. Ravageant tout comme une vraie catastrophe naturelle. Son attaque de narval, sa rafale de licorne lui promet la couronne, le diadème royal. L'épisode durant lequel Star réalise qu'elle est jalouse de la complicité de Marco et de Jackie, et qu'elle est à deux doigts de lui faire du mal avec sa baguette car elle ne contrôle pas très bien ses émotions. Bien sûr celui dans lequel elle avoue à Marco son crush sur lui, et qu'elle rentre ensuite sur Muni. Jackie qui quitte Marco parce qu'elle sait très bien qu'elle ne fait pas le poids contre Star. Toute l'intrigue pendant laquelle Star est avec Tom, et Marco est plus ou moins avec Kelly, parce qu'on voit clairement qu'ils sont quand même à fond l'un sur l'autre. Le fameux photobooth dans lequel Marco a embrassé Star, soi-disant pour les délivrer de la boîte à photos. L'épisode qui amène à la fin de la malédiction de la lune rouge, qui en fait selon leurs propres mots n'a jamais vraiment influencé leur relation. Celui dans lequel Tom quitte Star parce qu'il a dû réaliser la même chose que Jackie. Et enfin, les deux finaux, dans lequel Star et Marco s'avouent leurs sentiments, s'embrassent, préfèrent disparaître ensemble que vivre séparés, et se retrouvent grâce à la fusion des deux mondes. Je vais poursuivre avec les combats et le scénario en lui-même, ainsi que les antagonistes. La rédemption de Ludo est très bien amenée, et surprenante parce que jusqu'à la fin, j'ai vraiment cru que c'était lui qui allait revenir pour le combat final. Toffy est juste hyper badass, et quand on sait qu'au final, il avait raison sur la destruction de la magie, c'est franchement impressionnant.
Un des rares cartoons qui donne raison à un antagoniste, je crois que j'ai encore jamais vu ça. Mina, dernier vilain surprenant une nouvelle fois, qui en plus donne assez de fil à retordre aux autres pour qu'ils finissent par détruire la magie. Et Eclipsa, qui n'est pas réellement un vilain, puisqu'au final elle va aider Star, et être une reine respectable pendant une saison entière. Et puis j'aime énormément le message de tolérance qui est prôné par le fait qu'elle aime un monstre, et qu'en réalité, les Mioniens. Comment on dit ça encore? Pourquoi je sais pas dire les mots, moi? C'est fou. Genre, vraiment, essayez de faire des recherches sur Star, vous allez voir qu'il y a des mots, on n'arrive pas à les prononcer, c'est tout. En tout cas, les habitants de Mioni sont plus monstrueux que les monstres eux-mêmes. Je veux aussi évoquer le développement de Star, qui commence comme une ado qui ne gère pas sa magie et qui est bien trop excentrique, puis qui prend assez de maturité pour voir sa baguette être partiellement détruite, pour nommer Eclipse à reine à sa place et lui donner cette fameuse baguette, pour apprendre à contrôler ses pouvoirs et les gérer depuis son corps, et pour comprendre comment apprivoiser ses sentiments. Enfin, parlons de la fin. Une fin ouverte avec un screen hyper beau de Star et Marco qui se disent « Salut », tout simplement. Un petit mot qui veut tout dire. Après avoir quand même accepté de disparaître ensemble pour ne pas être séparés, et invoquer assez de magie pour fusionner les deux mondes avant que celle-ci ne disparaisse totalement. Et puis la qualité d'une fin ouverte, c'est qu'il y a de quoi imaginer. Et puis de quoi être frustré aussi, oh. Enfin bref, c'est tout pour l'instant mes papillons. Si vous aimez ce genre de vidéo, et que vous voulez en savoir plus sur Star, laissez un petit commentaire. A bientôt, et restez miraculeux bien sûr. Bon confinement !